première des choses, c'est de déplorer l'incident qui est arrivé. Comme vous avez suivi, des suites de la pluie et d'un coup de foudre, il y a un câble qui a été sectionné, qui est tombé sur la servitude où malheureusement il y avait des flaques d'eau et des femmes maraîchères qui vendaient, avec comme conséquence que nous avons 26 personnes décédées, dont 24 femmes et 2 hommes, et 2 blessés graves qui ont été acheminés à l'hôpital. Les corps ont été acheminés à la morgue de Mama Emo. Alors, le premier sentiment, c'est d'abord un sentiment de regret. C'est de présenter au nom du président de la République les condoléances à toutes ces familles attristées. Et puis bien sûr, le deuxième constat, c'est de rentrer sur des instructions qui nous avaient déjà été données par le président de la République sur le besoin de voir comment est-ce qu'on peut s'occuper de ce site, ce marché de Matadikiba là, qui présente beaucoup de risques, non seulement du point de vue de la circulation, mais aussi de la servitude sur laquelle il y a des personnes qui ont construit, malheureusement, en loi. Donc ici, nous allons d'abord prendre nos responsabilités en termes de nous occuper, en tant que gouvernement, des obsèques des personnes qui sont décédées. Et très vite, on va voir avec les autorités de la ville, d'abord non seulement le gouverneur, mais aussi les ministères sectoriels concernés, comment est-ce qu'on peut arriver à trouver une solution durable à cette question du marché de Matadikibala ici dans la ville de Kinshasa. Donc vraiment c'est d'abord ça, un message de condoléances, de compassion et puis de prise d'actes qui doivent suivre par le gouvernement. Merci.